Le Pôle France FFE de Voltige bénéficie de chevaux mis à disposition par l'IFCE. À l'IFCE, j'ai notamment la chance de voltiger sur le cheval Blackmore IFCE qui m'accompagne dans mes entraînements depuis 2018. Donc au Pôle France, on bénéficie de chevaux donc, IFCE, notamment Sir Sandrino, qu'on a depuis maintenant plus de 10 ans. On m'a confié Victor de Gian à mon arrivée ici, donc c'était il y a 3 ans maintenant. Donc c'était une chance, c'est un sacré cheval. J'ai pu faire de belles épreuves, j'ai gagné les championnats de France de jeunes caves avec lui. Ça permet aux athlètes tout simplement de répéter sur ce cheval avant de répéter sur leurs chevaux de tête et de compétition, et ce qui permet d'économiser aussi leurs chevaux de tête et de compétition. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des chevaux d'entraînement. Mais c'est vrai que d'avoir des chevaux de qualité mis à disposition par l'IFCE, c'est extrêmement pratique. Les entraînements en voltige sont courts. Ça dure à peu près 3 minutes de galop, 2 fois par séance et 2 séances par semaine pour les chevaux, donc c'est très court. Les chevaux mis à disposition par l'IFCE sont très importants. C'est des chevaux de qualité qui nous permettent de nous entraîner au quotidien. Souvent, ils nous confient des maîtres d'école pour qu'on apprenne. Et puis grâce à eux, on arrive à toujours rester dans les bons résultats parce que ça reste de très bons chevaux. Ça nous sert beaucoup à travailler, à évoluer. Les chevaux école, c'est vraiment très très avantageux pour nous. Les avantages à bénéficier des chevaux de l'IFCE, c'est de pouvoir notamment avoir plus de temps à cheval et de pouvoir tester des nouvelles figures là où nos chevaux de tête ne le permettent pas forcément. Si on a des grosses figures à tester par exemple, on va privilégier un cheval qui est très calme, qui est très doux. Alors que parfois les chevaux têtes vont être plus rapides, etc. Donc ça va être délicat de tout de suite lancer de la figure sur les chevaux têtes. Donc c'est vrai que les chevaux de répétition sont très pratiques pour ça. Quand on veut vraiment performer, on a besoin de beaucoup de temps à cheval, donc forcément beaucoup de chevaux vu que les entraînements sont courts. Et c'est un peu du luxe ici que d'avoir des chevaux mis à disposition pour l'entraînement.